Bonjour. À chacun ses mots et sa manière. Vous êtes Laura? Oui. Bonjour, je suis Kader Djalil. On avait rendez-vous. L'assistante vous a mis au courant de la manière dont ça se passerait? C'est un casting, hein? Vous êtes au courant? Ouais. Vous avez quel âge aujourd'hui? 18 ans. À chacun ses gestes et ses regrets. Les grands effets. Je révise mes sourires. Tu retiens tes soupirs. Et moi qui nous croyais inséparables, ce reflet, c'était les larmes. Ces mots étaient silence. Mon mal était patience. Pour elle et sans regret. Et toi, tu me croyais en moi. Je m'arrête, ça. C'est la clope. C'est pas quelque chose. Une autre carte, si tu veux, toi. Bon, un ballon comme toi. La réalité, moi, je la prends au jour le jour. Je l'embrasse. J'ai dit bienvenue à la réalité. C'est 7h le matin, je vais travailler. Seulement ah, c'est, vous êtes bien malheureux, alors. Vous avez de la chance. Merci. Vous êtes si facilement malheureux. Alors qu'on peut le faire d'une manière tellement plus sophistiquée. Parce que vous ne connaissez pas le vrai malheur. Le malheur distingué, le malheur populaire. J'ai fait l'amour avec Laura sans lui dire que j'étais séropositif. C'était comme dans un rêve. Comme si j'avais oublié que ce virus fait partie de moi. Et j'ai l'impression qu'il ne peut rien lui arriver parce qu'on va s'aimer. T'appelles ça de l'amour? Et moi qui nous croyais inséparables. Peut-être tu te forces à croire que ça en est. C'est peut-être la dernière fois. Et je peux faire les pires trucs, ça m'atteint pas. Quand je reviens vers elle, je me sens propre. Pour les êtres purs, tout est pur. Saint-Jean, j'ai fait le test du sida, je suis séropositif. Et toi tu nous voyais dans un miroir. C'était pour fuir les regards. Ces mots de silence. Tu m'as rien dit? C'est pas vrai. Mais comment t'as pu faire ça et pas me dire rien? Mais c'est monstrueux, t'es monstrueux. À chacun ses mots et sa manière. Plus longtemps. La belle affaire. Quelques mois. Je reste pour ceux que j'aime. Tu peux pas juger ça. Vers les mêmes. Tu sais pas ce que ça fait. Mais je sais pas ce que ça fait, mais je m'en fous de ce que ça fait, t'avais qu'à me le dire. C'était la moindre des choses que tu me le dises, putain. Les grands effets. Je révise mes sourires. Tu retiens tes soupirs. Je vois Frédéric Toussaint, hier. Et moi qui me croyais inséparables. Alors il me dit. Il n'est pas si repoussé. C'est mon destin. Il se donne un genre. Et de toute façon, il n'est pas sexuel. Et toi, tu es bisexuel aussi? Non. Ça te déçoit? T'as jamais essayé avec un mec? Tu me croyais dans un miroir. C'était pas une traduction? On a bien dû faire 2-3 petites bricoles. Au collège. Il est mignon, très bon goût. Merci, espèce de pute. Toi, tu peux parler, toi qui vis qu'à travers le regard des autres. Parce que tu crois que t'es pas narcissique, toi, peut-être? Vous voulez être gentil, toi. T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer. Tu préfères cette petite pute. Mais si tu te voyais, t'es ridicule, t'es minable. Il t'excite, mais tu l'aimes pas non plus. Mais les deux se cherchent. Je reste sur une idée. Tu préfères l'oublier. Chacun ses coups et ses blessures.
La jolie rupture. Tu prendras tes bagages. Je resterai dans ça. Moi qui me croyais inséparable. Ce reflet, c'était des larmes. Ces mots ou tes silences. Ou ma tes patience. Je voulais vous tellement que j'en tire bête. Tu vois, j'ai fait ça. Que toi tu nous voyais dans un miroir. Je voulais plus m'arrêter. C'était pour fuir les regards. Comme si j'étais quelqu'un. Ces mots de silence. Ou mal était patience. Pour aller sans regret. C'est moi qui m'en fais compte. Tu crois, mais juste une minute, hein? Écoute, je t'aime. Marianne, écoute-moi. Écoute-moi bien. Je pars pendant 2 mois, s'il te plaît. Je pars habiter chez lui. Reste 5 minutes, écoute. C'est toi qui me le prends. Toi qui me le prends. Je t'arrête une première fois que je te vis. Marianne, c'est pas... Je m'en fous, je veux pas que vous partiez. Je veux pas repartir d'ici tous les deux. Je m'en fiche. Tu crois que je vais te laisser prendre mon mec comme ça? Non, mais tu rêves ou quoi? Tu me mets pas comme ça. Pourquoi tu te mets comme ça? Mais je me mets comme ça parce que je peux pas accepter un truc comme ça, voilà. C'est longtemps ici. Je sais pas encore. Moi, je crois que tu vas pas rester longtemps. C'est vrai? Ouais. Comment tu sais? Parce que, genre, il est comme ça. Tu viens, tu repars. C'est vrai? Qu'est-ce que tu fais là encore, toi? Bah, c'est chez moi aussi. C'est chez toi ici? Les autres, ils tournent et toi, tu restes là. Eh ouais. T'en as de la chance. Mais un jour, il y a quelqu'un qui va venir. Il va prendre ta place. Ouais, mais c'est pas toi. Chacun ses gestes et ses regrets. Samy, on baisera pas sans capote. Qu'est-ce que j'ai là? Hein? Je suis pas en train de crever, pourquoi tu me regardes? Hey Jean, oh, calme-toi. Tu fais chier, je suis pas en train de crever. Calme-toi. Arrête. Ce reflet, c'était. Pourquoi t'étais avec moi, toi, hein? Ah oui, c'est ça. Arrête, me mêle pas pourquoi t'es avec moi. Calme-toi, Jean. Arrête. Bien, rentre. Je veux vivre, moi, je veux pas crever, merde! Jean. Et toi, tu me voyais dans un abus. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que l'abus, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. C'est le premier stade de la purification avant le premier mois. Pour lui, c'est. Arrête! C'est complètement barjo, famille, hein? Vas-y, fais-le. Tu feras fort, là. C'est pas du bidon. Chacun tu crois que c'est ça, la souffrance, Samy? Mais les deux s'achèvent. Je reste sur une idée. Tu préfères l'oublier. À chacun ses coups et ses blessures. La jolie surprise. Tu peux pas t'empêcher de te sauter tout ce qui bouge. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce morpion hystérique, hein? Où tu sors, toi? Ça te fait rire, toi? C'est assez drôle. Tu trouves ça drôle, hein? Tu donnes dans le genre pute de luxe maintenant? Ouais, on m'avait pas encore dit ça. La pute de luxe, elle prend son gros cul, elle se bouge, elle se casse des cils. Tu veux voir mon cul? Tu veux que je te le montre, mon cul? Casse-toi! Ça te fait marrer, hein? De voir les autres souffrir, y'a que ça qui te fait bander, putain! Ça suffit avec la souffrance, ça parle, t'as pas l'apanage de la souffrance, toi! Hein, y'a pas toi qui souffre sur Terre, hein? Tout le monde souffre, alors ça suffit! Mais c'est qui cette connasse, putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mais lâche-moi! Mais viens, pas! Ta gueule! Tu viens, tu réveilles tout le monde et tu vas gueuler comme ça! Tu te tais maintenant! Putain, c'est pas vrai ça! Oh là là! Vas-y, fais quelque chose, toi! Parce que nous, plantons rien. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Moi, j'aurais dû rester pédé, hein, je te jure. Ah ouais, ça c'est des furies pareilles, là, c'est pas possible, non? C'est pas de l'amour, ça, de toute façon, hein. La possession, là, comme ça, c'est pas de l'amour, ça. Bah, c'est sûr, c'est pas très possessif, toi, hein. Tu l'aimes? Mais je t'assure, j'ai juste passé la nuit, là, comme ça. J'avais besoin de tendresse, et puis lui aussi.